Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Une humanité ayant un sens d'elle-même en tant que communauté planétaire composée de personnes interconnectées, ayant le sens d'être une famille, soudée, respectueuse d'elle-même et des autres, à l'esprit inclusif, cette communauté sera autonome. Elle se gérera par elle-même sans l'aide de quiconque et surtout sans l'aide d'extraterrestres, car de leur côté, c'est ce qu'ils attendent des terriens. Des terriens qui sont capables de gérer leur communauté et la planète tout autant que de se faire représenter par des conseils de niveau allant du conseil familial jusqu'au conseil planétaire, promouvant la diversité, l'échange et la multipolarité. Le conseil du plus haut niveau, celui de la planète, ce que l'on pourrait appeler un gouvernement supranational, peut être comparé à un orchestre composé de musiciens parfaitement synchronisés entre eux, après avoir minutieusement accordé leurs instruments. Sans cette entente orchestrale et sans cette synchronicité entre les musiciens et leurs instruments, au lieu d'assister à une symphonie harmonieuse, le concert ne sera qu'une cacophonie dissonante, une gouvernance incohérente, générant, comme c'est le cas actuellement, chaos et division. Et si cette gouvernance est monopolisée par un seul musicien et ceux qui l'entourent, aussi bien intentionné soit-il, la gouvernance devient un pouvoir local ou une dictature internationale, au mieux une démocratie, monopolisant tout le pouvoir orienté dans une seule direction. L'ancienne version du nouvel ordre mondial, qui était gérée depuis l'ère victorienne, essentiellement par les USA, jusqu'à la nomination du président Biden, et par le Royaume-Uni, jusqu'au décès de la reine Elisabeth II, cette ancienne version du nouvel ordre mondial, accompagnée par l'agenda 2021, a été dissoute au profit du nouvel ordre mondial version 2.0 qui se veut, en reprenant l'idée de l'orchestre, un ensemble de nations synchronisées entre elles, se respectant, ouvertes au dialogue, à la médiation et à la multipolarité. Pour l'instant, ces musiciens ne s'accordent pas entre eux. Chaque bloc géographique propose sa propre déclinaison de ce que cette gouvernance mondiale et ce que les règles sous-jacentes doivent être, celles des USA, de la Russie, de la Chine, des pays arabes et enfin le Canada et la France, ces derniers promouvant l'ordre libéral. La gouvernance proposée par ces gros blocs géographiques sert les intérêts de chaque ordre établi, celui de leurs anciens mondes. Or, le nouveau monde, comme son nom l'indique, est structuré par une nouvelle organisation avec de nouvelles structures, organisées de manière logique, rationnelle et ordonnée. Elle est basée sur ce que l'on pourrait appeler un état d'être spirituel,
je n'ai pas dit religieux, mais spirituel, sur l'écoute, le dialogue et l'échange et la multipolarité. Si ce que nous entendons actuellement à travers le monde est une cacophonie discordante, c'est parce que les dirigeants des grands blocs et des organisations internationales n'arrivent pas à se mettre d'accord. Au contraire, ils ne cessent de s'opposer. Le vieux monde est géré par de vieux esprits, essentiellement masculins, qui cherchent à faire perdurer leur système, le pouvoir et l'hégémonie. Ils ne recherchent pas un équilibre planétaire en prenant en considération toutes les parties qui le composent. La question est de savoir si les grands dirigeants de notre monde arriveront à mobiliser l'action collective pour établir ce nouveau monde, de nouvelles règles de conduite dans un esprit différent. Quel est le rôle et la place des nouvelles générations, notamment des starseeds, des émissaires stellaires, dans la construction du futur de notre humanité? Je suis Tim de Space News. Nous ouvrons aujourd'hui le troisième volet de la série sur les enfants terrestres et extraterrestres et nous allons aborder la question du déploiement du nouvel ordre mondial au travers de la jeunesse internationale. Thank you.